toute une vie ne suffirait pas pour s'émerveiller. Venez trembler, venez frémir, goûter à des beautés inconnues. Venez découvrir notre cirque. Oh, 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 tais-toi! Oh, bah quoi, je m'entraîne? Et tu t'entraînes à quoi exactement? Tu sais bien que c'est fini tout ça, c'est loin maintenant. En plus, tais-toi, tu vas réveiller ta mère. Ouais, bah justement, c'est l'heure qu'elle s'entraîne elle aussi. Oh, tu te réveilles? Oh! Non mais c'est pas bientôt fini ce bordel! Toi pas que je fais mes inhalations? Ça demande un minimum de concentration. Tu laisses donc ta mère tranquille, tu vois pas qu'elle se repose, hein? Remarque avec tous les Prozac qu'elle s'est bouffée. Non mais Vishnem, il est temps de repartir sur les routes, de reconstruire le chapiteau, enfin faut qu'on se bouge. Ah, oh, je vois que Junior fait encore des siennes. Toujours t'as l'envie de repartir. Non mais les amis, faisons honneur à notre modèle à tous, aux grandes ventes biglo. Ouais, je suis d'accord avec toi, petite. Faisons honneur. On trinque. Ça y est, voilà le train bimé de service. T'as pas encore fini de cuver ton vin de la veille que tu remets ça? Quelque chose a tiré l'iceberg. Tu sais que c'est à cause de toi qu'il a coulé le Titanic. Mais Vishnem, ne le laisse pas parler sur ce ton. Moïse, arrête de l'agresser. Viens l'analyse. Oh, en quoi faut mettre un appel au secours? Elle peut pas se défendre toute seule, hein? Allez, arrête ton chat. Mais t'as fait encore sa mijaurée. Je m'en fous, je te parle pas à toi. Hé, hey, petite, psst, regarde, j'ai pas perdu mon talent, moi. Je mets ma bouteille de vin dans le tuyau magique. Et c'est encore du vin. Wouhou. Et c'est l'heure de manger? Non, c'est pas l'heure de manger, c'est l'heure que tu bouges et que tu t'entraînes. Ouais, c'est ça. Bon, bah, hey, tu me réveilles quand c'est l'heure de bouffer, j'ai la dalle. Ça t'a pas suffi de bouffer mon dernier fauve? C'est qu'il était un peu maigre, il y avait pas grand chose à bouffer dessus. Je vais me les faire. Est-ce que je peux finir mon inhalation? Elle est à quoi ton inhalation au bonbon? Non, mais vous êtes désespérant. C'est toi qui es désespérante. C'est combien de fois qu'on le dit que le cirque, c'est fini pour nous. On partira plus jamais. T'as compris? Non mais Moïse, calme-toi. Faut la comprendre aussi, la petite, là. Elle a pas vécu ce qu'on a vécu. Elle a encore toutes ses illusions. Et du poulet? Il faut plus penser à cette vie-là. C'est beaucoup trop dur. Ça me rappelle Fripoulet et Titi. Y'a du poulet ou pas? Mais c'est qui Fripoulet et Titi? Bah mes lions. Ils étaient si mignons avec leurs grands yeux et leurs moustaches. Ah ouais, et je mangerais bien un lion, maman. Rappelez-moi et dire qu'elle a fracassé, elle a mangé Fripoulet. Je la défaite, là. Mais Mandra, pleure pas, on t'en rachètera un. Non, ça sera pas le même. Oh, ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'on t'en trouvera un tout aussi mignon. Puis va donc te reposer, t'es exténué, là. Ah non, mais ce qu'il faut pas inventer pour qu'on vous foute la paix dans cette roulotte! Et je veux bien qu'on en rachète, hein, moi, un gros lion, moi j'aime ça, moi les lions. Non, mais toi tu penses qu'à bouffer! Et notre art alors? Notre art? Mais quelle rigolade! Des années à changer de ville pour trois pauvres spectateurs maximum! On crevait la faim, jamais de vacances, toujours à trimer, monter le chapiteau, démonter le chapiteau, nourrir les bêtes! Waouh! Tu parles d'une vie! Quelle chieuse! T'es tout énervé. Calme. Regarde-moi. Calme. Tout va bien. Tu vas repartir chez toi. Oh, Mich, t'es plus fort quand même. Quel talent. Moïse a raison. Ça serait quand même dommage de gâcher tout ça. Ah, oh, arrêtez, c'est le béaba. Qu'avec Simone, c'est beaucoup trop facile.
Non, non, ils ont raison, Michel. T'as gardé toute ta force psychique. C'est pas comme nous. Oh, bah, elle a pas fait long feu, la force psychique. Ça, c'est encore Simone. Comme ça sans rien faire. Bah si, Vishnim. Bah pourquoi moi? C'est toi qui le tire, c'est toi qui le fais. Je vois pas pourquoi. Bon, bah décidez-vous là. Ah oui, t'as qu'à le faire toi. Moi non, c'est bien que non. Ça m'aurait étonné aussi, hein. À toi ça va, hein. T'arrêtes pas de me chercher depuis tout à l'heure, t'as pas tardé à me trouver. Je sais pas ce qui me retient. Si, moi. Mais dis donc, maman, toi, vas-y, et à manger dedans. Non mais regardez-moi ça, quelle bande de trouillards, je vais l'ouvrir, moi, cette boîte. Et bah ça alors. Mon Dieu. Emma, je crois qu'on a touché le gros lot. Y'a combien? Assez pour te racheter un camion de fauve, Mandra. Y'a assez pour construire un cirque. Hé, hey, là-dedans, vous avez entendu la télé? Y'a eu un dedans au village. Merci, Van, planquez tout. Mais je sais pas, moi, dans ton cul! Enfin, je sais pas, mais faut pas qu'on le voit! Quelle est ce Simone? Tiens, Simone, comment vas-tu tout à l'heure? Bah, monsieur Vichetet, mais vous avez pas entendu à la télé? Il y a eu un hold-up au village! Et alors, ils ont volé 50 millions et ils ont pas retrouvé les gangsters, hein! 50 millions, tu dis? Mais tu te rends compte? 50 millions? Ça va pas bien. 50 millions? Mais. Qu'est-ce que tu fais par terre? Ah, moi? Qu'est-ce que je fais par terre? Je fais ma gym! Ah oui! Ça va pas mieux, hein? Non. Vous avez pas entendu alors? Non, on n'a rien entendu. Rien entendu. Bizarre, quand même. Ouais. Bon, bah Simone, on va pas vous retenir plus longtemps, hein. Ah, oui. Allez, bah, au revoir, Simone. Oh, on a eu chaud. Bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bah, faut qu'on s'en débarrasse. Quelqu'un a une idée? Peut jeter à la rivière. Non, mais y remontrer. On le donne à manger à Gina. Ah bah ouais, oui, elle bouffe n'importe quoi. Pas bête. Non, mais ça va pas, je vous préviens. Le premier qui la touche, je le tue. Mais ok, calmons-nous, on va trouver autre chose. Alors? Et si on l'enterrait devant la roulotte? Non. Bah non, t'oublies Simone. Ouais. Elle épie tous nos faits et gestes. Je vois qu'une solution, mais ça risque d'être compliqué. Bah vas-y, accouche. Ben... on découpe et on jette. Non. Elle est complètement folle. Non, pour une fois qu'il s'appelle dit quelque chose d'intelligent, c'est pas fait du tout. Ça passerait beaucoup mieux si on découpe en petits morceaux, mais
Mais par contre, on peut pas t'écouper, jeter tout ça, t'écouper, ça ferait beaucoup trop. Il faudrait faire comme dans le Père Noël est une ordure. On donne les morceaux aux fauves dans un zoo. Voilà. Mandra, pour info, hein, y a pas de zoo dans le coin du tout. C'est cela, oui. Y a pas de zoo. C'est vrai, y a pas de zoo. Mais y a Simone. Elle a beaucoup d'enfants, Simone. Et un bon rôti. Bah moi, je trouve que ça ne s'enfuse pas. Ah oui. Tu es génial, bravo. Ouais. Bon, bah y'a plus qu'à alors. Vous m'emmenez le corps dans la cuisine, moi je m'occupe des outils. Oh putain, tu fais quoi le salaud? Ça fera beaucoup de découper. Inspecteur Mulot, police judiciaire. Je viens au sujet du hold-up qui a eu lieu ce matin. Un hold-up, vraiment? Je ne savais pas. Monsieur Mulot est inspecteur de police. Ah, oh, enchanté, monsieur l'inspecteur. Mais asseyez-vous. Vous prendrez bien un verre. Non, merci. Jamais pendant le service. Ah. Alors. Et bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez eu un accident? Ah non! Ah oui, je vois. Non, mais non. Non, alors, Moïse est un ancien boucher. Alors, il est officier dans la gigologie, vous voyez. Donc, alors, bon, de temps en temps, alors, il fait un rôti pour la voisine. Hein, Moïse? Oui, c'est ça. Le gigot, le rôti, c'est ma passion, c'est mon truc. Sacré passe-temps. Ouais. Alors, bon, ma Moïse, amène donc ça à Simone. Avez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect ces derniers temps, comme une fusillade? Non, vous savez, c'est très calme ici. C'est charmant, votre maison. Oui. Ça fait longtemps que vous habitez dans une roulotte. Oh, mais mon beau monsieur, mais moi, j'y suis né. Alors, j'ai toujours vécu dans un cirque. Le cirque, ça, c'est du spectacle. J'en parlais justement à ma femme ce matin. Et je lui disais, on irait bien au cirque. Ah oui, incroyable. Enchantée, je suis Elisabeth Hampton. Tout le plaisir est pour moi, chère petite madame. Vous êtes tout à fait délicieuse. Voyons, vilain flatteur, je suis toute décoiffée. Oui, il va pas tromper quand même. Et maman, fais gaffe, ça coule. Toi, il y a du monde. Bonjour, monsieur. C'est qui celui-là? Monsieur est inspecteur de police. Mais pour vite, hein, mais fais attention. Excusez-la, elle est un petit peu dépressive. La peau. Ah, permettez de vous aider. Non, bah, j'y vais. Femme. Il fait beau, hein. Le fond de l'air est frais. On a une belle arrière-saison. Voilà. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, parce que vous savez, je ne suis pas qu'un simple commissaire de police. J'ai un cœur, moi aussi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le cirque. Ça vous manque? Je comprends. Ça doit être enivrant, cette vie-là. Changer de ville tous les jours. Vous avez dû en voir du pays. Ça en fait des kilomètres au compteur. Pas à votre compteur. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis maladroit, moi, alors. Pardonnez-moi. Je voulais pas vous blesser. Une aussi charmante dame ne devrait pas être dépressive. Gina. Je peux vous appeler Gina? Vous pouvez m'appeler Robert. Oh.
Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh, Gina, vous êtes chaude comme la braise. Non, ne me tentez plus. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui avez fait? T'as une mère formidable, gamine. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ronnie, emmène donc ta mère se reposer, là, s'il te plaît. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Milo. Monsieur Milo. Que faisiez-vous ce matin entre 5h30 et 7h? Bah, quelle question, je dormais. Est-ce que quelqu'un peut l'attester? Est-ce que je peux vous parler en privé? Oui, bien sûr. Allons faire quelques pas dehors. Ben, pourquoi il veut lui parler? Tu le sais, toi? Hein, moi? Oh non, je sais pas, non. T'as l'air de quelqu'un qui cache quelque chose. Mais n'importe quoi, je cache rien. Bon? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, qu'est-ce que tu vas imaginer? Jusque-là, rien, mais je commence à avoir de sérieux doutes. Qu'est-ce qui se passe avec Vishnem? Hein? Parle! Bon, j'y vais, moi. Hein. Arrête de faire l'innocente et dis-moi! Non, mais non, je vais rien te dire, salope! Mais c'est toi la pépère! Toi. Non mais arrêtez, toi espèce d'idiot, notre rigolo. Connasse, va mourir. Mais va falloir la jouer serrée. Faudrait pas qu'il se doute de quelque chose. Hein? Vishnem, défends-moi. Elle veut me tuer, vas-y. Enfin, mais je vais tout de même pas frapper Mandra, voyons. Mais elle s'est attaquée à moi. Tu m'aimes, non? On va y aller. Ouais, allez-y, oui. Mais toi, espèce d'abruti, tu viens avec moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un coup de main. Mais tu peux pas faire attention? Tu vois pas que tu m'écrases là? Eh, qu'est-ce que tu fous sur mon siège aussi? Je vous dis, c'est un coup de main. Je veux mon siège. Non. Viens voir mon siège. Bon, je peux finir mon histoire. Ma femme m'a quitté. Eh ben ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est enfin. Pas quitté comme ça. C'est sûrement pas très grave. Une petite querelle d'amoureux, ça va s'arranger. Oh, pauvre Robert.
Ouais, enfin. Ça dépend. Il est peut-être très désagréable avec sa femme. On a le cœur sur une cloche, après tout. Je peux parler, parce que si tu peux pas dire un mot, faut le dire, t'as. Ouais, c'est vrai, ça. Il a raison. Laissez-le s'exprimer. Vas-y, Robert. Merci, merci, Magina. Ben voilà. C'était mardi. Je déambulais la rue du Samra. Il pouvait être 7h, 7h15. Je cherchais l'adresse de mon copain Youssouf, un pauvre repris de justice, qui exerce la profession de charcutier maître. Je passe devant une porte cochère. Et là. Et là. Soro est arrivé. Oui. Oh. J'ai vu ma femme dans les bras de Youssouf. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis approché d'eux. Et quand ma femme m'a vu, elle en a profité pour me dire qu'elle ne m'avait jamais aimé et qu'elle me quittait pour aller vivre chez nous. Bon, t'inquiète pas, Robert. Je suis là, moi. Et puis, pourquoi tu viendrais pas t'installer chez nous quelque temps? Mais Gina, tu t'emportes, nous ne pouvons pas. Merci, merci à tous pour votre accueil. Bah de rien, monsieur le commissaire, tout le plaisir est pour nous. Non mais t'as perdu la tête, je croyais qu'il te faisait peur. Peur, peur, c'est un bien grand mot. Bon, disons qu'il m'a un peu surpris. Je te fous de ma gueule. Il a fallu que je te donne une surdose d'antidépresseur la dernière fois, t'étais complètement tétanisée. Oui, mais justement, j'en veux plus, moi, de ces saloperies. Puis je suis assez grande pour savoir ce que je veux faire. Hein. Ouais, bah justement, c'est pour ton bien, maman, que je te dis ça. Tu vas quand même pas te jeter au pied du premier homme venu auprès du premier commissaire, qui est juste un flic, je te rappelle quand même. Mais si j'aime ça, moi, les uniformes. Je te préviens, si t'es triste, tu viens pas me voir. Ouais, rabat-joie. Alors, où je m'installe? Viens, Robert, je vais te conduire. Mais elle a complètement perdu la boule! Alors, où je m'installe? Eh bien, Robert, je vais te conduire! Mais non, qu'est-ce qu'il lui prend? C'est ce mulot-là qui lui a complètement tourné la tête! C'est terrible! Et puis maintenant qu'il habite ici, il veut faire ce qu'il veut de Gina. Ouais, et s'il continue à rôder autour de nous? On pourrait découvrir notre secret. Il faut qu'on fasse quelque chose. On s'en débarrasse, on le découpe et on le donne à Simone. Non, mais c'est démodé, ça. Il faut pas que ça devienne une habitude. On a qu'à lui tirer dessus. On l'étouffe. On l'ouvre en deux, on lui arrache les intestins, on lui fait manger son cœur et ensuite on le reprend et on lui met dans le cul. Je disais ça comme ça. Ou on l'empoisonne. Ouais, ça c'est une bonne idée. C'est propre, c'est net. Ça laisse pas de trace. Bon, bah y'a plus qu'à! Y'a plus qu'à! Y'a quelqu'un? Alors, y'a personne, hein? Ah, c'est bête, hein. Ah, il aurait fait une genre 10 pour gigot. Il y avait des petits trucs bizarres dedans, des petits os, des fois. Ah, Mandra, bah, alors oui, alors, je venais pour le gigot que vous m'avez donné, hein. Non, parce qu'il y avait des choses bizarres dedans. Bon, après, il est très beau, hein. Hein, puis bon, je vais pas faire la difficile, hein, parce que... Bah, c'est vrai que mes gosses, ils crevaient un peu la dalle, hein, donc... Non, puis tu m'avais dit que ça vous arrangeait, hein, parce que vous n'avez pas de congélateur, donc je... Mandra... Bon, pour le poison, c'est bon. Par contre, il y a Simone qui est dans les parages, je l'ai pas écouté, faudrait que t'ailles voir, là. Bonjour, Simone, qu'est-ce qui t'arrive encore? Alors, Elisabeth, je venais au sujet du gigot que vous m'avez donné. Quel gigot? Eh bah, le gigot hier soir. Tu dois comprendre, t'as pas apporté de gigot ces derniers temps. Bah, c'est bizarre. Bah, Ronnie, tu te souviens avoir apporté un gigot à Simone? Bah, tu vois, tu dois vraiment comprendre.
Bon, bah, je vais pas trop tenir plus longtemps parce que je sais que t'es beaucoup occupée avec tes enfants. Bah, tu sais quoi? Au revoir, Simone. Allez, bonne route. Tu vas m'enquiquiner comme ça encore longtemps? Bon, tu m'as enquiquiné comme ça longtemps? Ok, ça va, j'ai compris, je m'en vais, tu me saoules. Oh, allez, j'arrête, bon, allez, reste un peu. Mais Moïse, pourquoi t'es tout le temps comme ça avec moi? Tu me détestes tant que ça? Eh non, c'est pas que je te déteste, c'est juste que... Que quoi? Non, laisse tomber, tu commenterais pas de toute façon. Bah vas-y quand même, j'ai peut-être un peu plus de neurones là-haut quand même. Non, c'est pas ce que je voulais dire non plus, c'est juste que... Eh bien, je scrigne. J'ai rien compris. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, là? Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Moi aussi, j'ai des sentiments... Tu dis sentiments pour moi? Ça paraît idiot, hein. Écoute, on fait comme si je n'avais rien dit, et moi, je suis pas là. Je suis pas là. Non, mais on a bientôt fini. Je suis pas là. Faudra aller voir avec vous. Non, je suis pas là. Si, t'es là. Bah non, je suis pas là. D'accord, je vois qu'ici c'est de mieux en mieux. Bah comme t'es pas là, tu vas venir avec moi, hein? Allez. Ah. Et toi là, il faut que je te parle. Bah vas-y, je t'écoute. Il faut arrêter tout de suite ce que vous êtes en train de préparer contre mon Robert. Oh, toi t'as encore pris trop de Prozac. On fait rien du tout contre ton Robert. C'est ça, prends-moi pour une conne. C'est sûr, c'était pratique de me bourrer de médicaments. Mais ce que tu sais pas, c'est que ça fait longtemps que je les prends plus, vos saloperies. Et c'est hyper intéressant de faire la shooter, tu vois. J'ai appris plein de trucs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux simplement dire que je sais des choses qu'il vaudrait mieux que je garde pour moi. Est-ce que ce sont des menaces, là, Gina? Eh, tu prends ça comme tu veux. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Robert. Mais Gina, sois raisonnable. Tu sais bien qu'avec Robert, on peut pas vivre ici, c'est trop dangereux. Et puis enfin, avec cet argent, on peut avoir une vie meilleure. Cet argent, mais je m'en fous, moi, de ce fric, vous pouvez le garder. Ce que je veux, c'est Robert. Mais merde, tu fais exprès de pas comprendre. T'es conne ou quoi? On doit le tuer, et je peux rien contre ça. Et tu commences à me gonfler, hein. Tu te débrouilles comme tu veux, tu fais passer le message aux autres. Et oublie pas que je sais beaucoup de choses. Si je vous ai demandé de venir me rejoindre à 4h du mat... Ouais, enfin, t'aurais quand même pu prendre un horaire un peu plus normal, hein. Non, mais c'est pas... Mais t'as rien compris, c'est pour ne pas être écouté par Milo et Gina. Bon, alors... Merci, je suis pas complètement débile. Mais c'était pas une raison de me faire venir au milieu de la nuit. On aurait pu se retrouver ailleurs, à une heure raisonnable. Bon. Bref. Alors, nous avons deux affaires en route. Le corps
et qu'il faut se débarrasser définitivement. Et vous savez quoi? Non, quoi? Bien, alors faisons le point. Le corps est-il totalement débité, Moïse? Moïse! Moïse! Pourquoi tu me cries dessus? J'aimerais qu'on soit un petit peu à ce qu'on fait. Merde! C'est important quand même! Alors Moïse, je t'agresse pas! Hein? Je te demande juste où en est la découpe dans la cuisine. La découpe, en fait, on n'a pas trop avancé depuis la dernière fois. Parce que je peux pas tout faire tout seul non plus. Il a raison, Guichenet, mais il faut vraiment qu'on se répartisse les tâches. Moi, je propose qu'Elisabeth et Moïse s'occupent du corps, Ronnie et moi, on s'occupe du poison, et toi, tu t'occupes du trésor. C'est ça. On commence quand même à avoir un sérieux problème avec le corps, hein. Ah bah oui, on va quand même pas pouvoir refourguer encore longtemps du gigot à Simone. Parce que quand elle va s'apercevoir de ce qu'elle bouffe, bah, ça ira mal quand même, hein. Bien. Alors, quelqu'un a-t-il une solution pour Simone? Parfait. Donc, je m'occupe du trésor et de Simone. Bon. Alors, passons maintenant à la mission numéro 2. La mission... Mab, mort aux vaches. Dans le salon... Mandra, Vishnem, et moi, ici, ici et ici. Attendez, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça de supprimer Mulot. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je sais pas, finalement, il nous dérange pas tant que ça, Mulot. Il nous dérange pas, Mulot? Alors on a un demi-corps de gangster dans le congélo, et 50 millions bien planqués, mais... Où tu les as mis d'ailleurs? Ouais, où ça? Et non, mais là n'est pas la question. Où j'en étais, moi? Ah oui! Les problèmes existentiels d'Elisabeth. Alors. Ouais, et puis, soyons clairs. Je me suis quand même pas cassé le cul à faire une maquette pour rien. Ouais, bah. N'empêche que. Bah, moi, je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette petite? Tu nous fais une petite crise? T'as des remords, c'est ça? C'est drôle, t'en avais pas quand on découpait le bonhomme là-bas? Ni ceux d'avant, d'ailleurs! Ouais, mais ils étaient déjà morts! Je sais très bien qu'on les tue d'abord, et que c'est après que l'on t'appelle. Ouais, mais quand même! Et ma maquette, alors? Oui, bah 2 minutes, Ronnie, laisse parler les grandes personnes! Ouais, bah tu sais ce que je leur dis, moi, aux grandes personnes! Ouh, je sens que tu vas être désagréable! Ouais, non, mais sérieux, pour une fois qu'on fait quelque chose d'intéressant, et entre vous quand même, hein, c'est quand même pas si souvent. Là, juste parce que madame, elle a des petits remords, on va plus rien faire, hein, pour un mec là, qui est juste un commissaire, le flic du coin. Calme, regarde-moi bien. C'est bon, t'as fini? Non, parce qu'il y a 30 ans... Tu vois, je veux bien, t'étais là, d'accord? Là, tu crois. C'est pas la peine de me regarder comme ça, hein, parce que de toute façon, je peux en dire sur chacun de vous. Alors, je m'écrase, mais faut pas me chercher non plus, hein. Bah vas-y, crache. Non, parce que c'est moi qui ai commencé à parler. Donc, je fais ce que je veux. Lopez. Connasse. Bon, t'as fini? Non, mais T'as fini? Bien, pour ta maquette, je reviens vers toi dans 5 minutes, ok? Ok. Folle jeunesse. Bon, où en étions-nous? Ah oui! Les problèmes existentiels d'Elisabeth. Ouais, je disais que... Silence! Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Je peux la cogner si tu veux. Tout doux, Mandra, tout doux. Non, mais c'est vrai, il est où le problème, là? Hein? Parce que c'est pas très pro comme attitude, hein? On en est déjà au 30e Maccabée, et c'est maintenant que ça te dérange! Il y a autre chose là-dessous. On en est déjà au 30e? Mais ouais, mais alors, on en tue un, puis après on peut plus s'arrêter. Ça passe tout seul. Et vous vous souvenez de tout premier, hein? Oh, bah si je me souviens! Un grand rouquin! Oh, le coriace!
Oh, il était balèze, hein. Oh, bah, on y a mis une demi-heure à coup de masse. Hein, hein, Mandra? Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Je lui avais arraché les yeux et je les ai gardés dans un bocal. Tu veux voir, Ronnie? Je crois que je vais vomir. Ah. C'est-à-dire que, bon, c'était notre premier. Alors, on savait pas trop qu'on fallait s'arrêter. Bon, après, il était bien mort à la fin, hein. Et on a découvert qu'on pouvait en vendre des morceaux. Ouais, ça, c'est grâce à moi, quand même. J'avais gardé contact avec un ami colombien. C'est fou ce qu'il était inventif. Ah, c'était la bonne époque, c'est sûr. On était riches, on était plein d'ambition, on avait pensé à repartir sur les routes, à reconstruire le cirque. Mais par contre, après, il n'y a plus personne qui passait dans le coin, alors du coup, on est un peu restés. Ouais. Ouais, bon, bah, au moins, on s'est jamais fait repérer. Et puis, c'était tellement marrant. Bon, ça fait 5 minutes, Vich. Ok, ok, j'arrive. Alors, ici, ici, quoi, ici, d'accord, Elisabeth, il y avait du sang partout. C'était génial. Oh, et quand je repense à hier soir... Non, je ne veux pas tuer Mulo, je suis une bonne personne, j'ai des remords. Ridicule. C'est pas si ridicule que ça, en fait. Qu'est-ce qu'il prend? Tu la défends? Mais qu'est-ce que t'as... Attends, qu'est-ce que tu bois, là? Du café? Et ton calva? Mais c'est pour ça que tu les boites. Et faut pas que tu t'arrêtes, hein. Non, mais il faut que j'arrête de boire ça. À chaque fois que j'en prends trop, je dis n'importe quoi. Bonjour, Moïse. Oh, bonjour, Alice. Oh, j'ai bien dormi. J'ai fait un rêve formidable. Je me voyais en train de trancher la gorge à Mandra. Ah, quel plaisir. D'ailleurs, tu sais pas où elle est? Non, mais tu te fous de ma gueule, là? Non, je sais pas du tout, non. C'est bizarre. Et Moïse s'y met. J'ai des sifflements dans les oreilles. Ouais, c'est curieux, moi aussi, oui, ça me prend. C'est qu'il est drôle, Moïse, quand il arrive au calva. Hein. Viens, on y va, c'est vraiment des abos ici. Ouais, on y va. Viens, oui. Vraiment, Je t'en foutrais, moi, du nauséabond. Ah, tu te parles toute seule, toi, maintenant. Toi, la grosse, pas gonflé, hein. Oh, mais tais-toi, mais ferme-la deux minutes. Elle peut pas fermer ça dans sa gueule, là. Oh. Ben, qu'est-ce qui se passe? Occupez-vous d'elle loin, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais faut pas vous mettre dans un état pareil. Allez, asseyez-vous. Vous allez bien? Donnez-moi vos mains. Ah ben d'accord, mais vous me les rendez après. Oui, bien sûr. Elle est mignonne. C'est quoi votre petit nom? Ça n'a pas d'importance. Bon, racontez-moi, qu'est-ce qui vous tracasse? Ben, je suis triste. Mon frère, il est en prison. Mon père, ben, il est mort. Ma mère, elle est partie avec le voisin. Et puis, ben, mon mari, il me tape. Enfin, il me tapait parce qu'il est parti avec l'assistante sociale. Ah, puis moi, je suis toute seule à élever mes 13 gamins. Là, j'en peux plus, hein. Je vais devoir en vendre encore un. Comprenez? Oui, vous en faites peut-être un peu trop. Ne trouvez-vous pas? Il y en a qui sont beaucoup plus malheureux que vous. Tenez, prenez cette famille. Leur vie est misérable. Regardez cette roulotte, Nina. Cette femme, ridicule. Non mais, faut pas se gêner, vous vous êtes vu? Oui, permettez-moi de vous dire que c'est pas ça. Je console cette pauvre femme, qui n'a effectivement rien pour elle. Des problèmes de famille, incapable d'aligner trois mots cohérents. Elle est bien gentille, mais quand même. Mais c'est parce que j'ai pas... Allez, allez, tout ça va peut-être s'arranger. Je sais, les chances sont minces. Mais les miracles,
ça existe. Notre rencontre, par exemple. Mais Robert... Je vais t'expliquer, ma puce. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette chose? Bah, je suis pas une chose. Me suis. Simone, ta maison, elle est en feu. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Elle est bonne, non? Viens, Luna. Bon, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu peux pas rester chez toi avec tes gosses, non? Faut que tu viennes fouiner chez nous ici. Mais je fouine pas. Eh, je t'ai pas demandé de causer. Allez, vas-y, dégage, là, tu m'énerves, dégage. Qu'est-ce qu'elle est belle quand elle se met en colère. Alors, toi, Ronnie, tu t'occupes des explosifs. Mais fais gaffe, tu respectes les doses, pas comme l'autre fois. Je gère, biche. Oui, enfin, tu gères. La dernière fois, on a bien failli se retrouver sans roulotte. Sans la présence d'esprit de Moïse, bah toi, je suis même pas sûr qu'on sera encore là pour en parler. Oui, bon, ben, fais pas cette tête. Alors, je peux te faire confiance? Ouais. Alors toi, Mandra, et... Toi, tu t'occupes du poisson. Hein? Ludo, il aime bien se prendre un petit whisky le soir avant de se coucher. Tu me traficotes ça comme il faut, ok? Ouais, pas de problème. Et moi, je m'occupe de la hache. C'est moins discret, mais c'est rudement efficace. Ok, Moïse. Et toi, Elisabeth, toi, tu t'occupes des champignons. Hein? On va lui préparer un petit velouté qu'il n'oubliera pas de sitôt. Mais je vous ai dit que je voulais pas. Oh dis donc, c'est fini tes caprices, oui. Je crois que c'était passager, moi. Faut que ça s'arrête, hein. Parce que si ça s'installe, ton truc, on va devoir s'occuper de toi aussi. Ok. Si on peut plus rien dire dans cette roulotte. Bon. T'as une préférence pour les champignons? Bah non, du moment qu'ils sont pas comestibles. Et toi, Biche, tu fais quoi, en fait? Ma spécialité. Les scorpions. Bon, on y va? On le fait? On y va. Bonjour, monsieur Vichner. Pour qui? On prépare une petite fête pour notre cher commissaire Mulot. Hein? Et puis, bah, on va lui préparer quelques petites surprises. Je peux vous aider? Il est ça comme ça pour aider, hein, je peux... Tu pourrais faire attention? Je t'avais pas dit de dégager, toi. Bah non. Tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis là, parce qu'on est en train de bosser? Non, je t'aime bien, toi. Ouais, bah ça tombe mal, parce que moi je t'aime pas. Dis donc, Ronnie. Tu pourras aller voir dans les toilettes, il y a une fuite. Ouais, tout de suite, biche. Tu veux bien dégager parce que, à un moment donné, je vais te dégager. Vous deux, vous avez rien d'autre à faire? Oh, toi, ça va, hein. Tiens, on y va. Ouais, jalouse. dis, biche.
Qu'est-ce que vous faites là? Parce que c'est pas clair tout ça en fait. Bah, on prépare une petite fête pour ton Robert, pour son arrivée parmi nous. Et c'est bien ce que tu voulais, non, qu'on l'accepte. Je sais pas pourquoi, mais ça sonne faux, ton truc. Enfin, pas du tout. Mais alors, mais tu me connais, hein. Je suis toujours totalement sincère. Ah oui, puis tu serais pas en train de te foutre de moi, là, par hasard? Je vais vous laisser, hein. Voilà. Gina, on se connaît par cœur, tous les deux, non? Oui, ben justement. C'est pour ça que je ne crois pas un mot de ton histoire. Et attention, si tu me caches quelque chose, moi, je pourrais révéler des trucs à tu sais qui. À Mulot? Mais non, pas Mulot, idiot. Quelqu'un qui est beaucoup plus proche de toi. Oh non, mais notre accord alors t'oserais pas! Dis-moi la vérité, ou c'est moi qui la dirai. Je comprends rien à ce que vous dites. Bah oui, c'est le but. Oh, c'est pas drôle, moi je peux jamais rien savoir. Dis donc, Simone. Si t'allais voir dans le fond du jardin, hein, si l'herbe est toujours bien verte. Bah ça va, j'ai compris, je m'en vais, hein. Oh, dégage. Allez. Moi, personne ne m'apprécie. Donc, j'espère m'être bien fait comprendre, Viche. On ne touche pas à un cheveu de mon Robert, sinon... Sinon quoi, ma douce? Et sinon rien, n'est-ce pas, Gina? Ouais, c'est ça, ouais. On en reparlera. Oui, en attendant, moi, je m'éclipse. Faut que j'aille voir Mandra. Au plaisir. À lourdeur. On s'attaquait pas. C'est qu'il est charmant, cet homme. Qu'est-ce que je me plais ici. Oh, moi aussi, je suis heureuse, Robert. Coucou, les amoureux. Je vous prépare un bon velouté pour le déjeuner. Vous aimez les champignons? Je les adore. Quelle bonne idée. Bah, je les aime bien aussi. Là, on est allé les cueillir avec Elisabeth. Et alors, il y en avait plein, même des tout bleus. Tout bleus? Oui, enfin, c'est une façon de parler. Mais pourquoi tu... Viens donc m'aider à préparer les champignons. Ah, d'accord. Cette merde. Qu'ils fait qu'un ton adorable. Oui, bah c'est bien ça qui m'inquiète, Robert. Allez, viens, ma douce. On va faire un tour dans la chambre. Ça va nous ouvrir l'appétit. J'ai pas pu mettre mes bestioles dans leur lit, ils y sont tout le temps. T'inquiète pas, après l'apéro qu'il va avoir ce soir. Ouais, et puis s'il y a pas. Si l'apéro foire, il y a toujours le velouté. Hein. Et il y a les explosifs. Et si tout ça, ça foire, y'a ma hache! Tu sais que tu fais peur, Moïse. Vla, 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 vla! Les vla, n'ayons l'air de rien, soyons des avocats. Ils arrivent. Bah, vous alliez pas commencer sans moi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, mes gosses, ils dorment, je suis toute seule. Je peux venir? Bonne idée. Elle goûtera au velouté. Ah bête. Mais oui, mais Simone. Mais viens, installe-toi, Simone, ah, alors. Merci, monsieur Vichem. Viens t'installer, Simone. Oh. Allez, viens. Oh, Simone. Assieds-toi. Allez. Ça va? Qu'est-ce que ça me fait plaisir de manger avec vous comme ça? Eh bien, écoutez, je vous propose à tous de porter... un toast à notre inspecteur Mulot. Oh, oui. Je vous en prie, appelez-moi Robert. Viche, tu sers l'apéro? Oh, ben oui, non, laissez, je vais le faire. Alors, qui veut quoi?
Tu sais bien, moi, maman, tu sais, je suis pas encore adulte, hein. Je peux pas boire d'alcool. Moi non plus, tu sais. Moi non merci, j'essaie de t'arrêter. Moi, je suis un peu embarbouillée. Bah, moi, j'attends le 14e, on va éviter qu'il soit trop haut, hein. Non, moi, avec mes inhalations, ça va faire doublon. D'accord, donc si je comprends bien, il n'y a que Robert et moi, bon ben on va pas en prendre, hein. Ben, pourquoi ? J'en veux, moi ! Fais-moi confiance, Robert. Comme tu voudras, mon amour. Bon, on passe au goûter ? Je peux te servir ? Ben vas-y, je t'en prie. C'est lourd. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible! T'es complètement idiote, ma parole! Mais qu'est-ce qu'elle est conne! Mais qu'est-ce que t'es conne! Mais c'est pas possible! Mais comment tu peux vivre encore? Tu m'énerves! Bon, bah, faut que j'aille me changer à cause de toi, bouffonne! Mais qu'est-ce que t'es conne! Mais c'est pas possible! Oh putain, il se remet à chialer encore! Putain, je vais lui mettre la bouteille dans la gueule! Ah, mais calmons-nous, Mandra, calmons-nous! Moi je vais aller faire des pâtes. Je te suis, mon canari. Ben moi, je vais rentrer chez moi parce que personne ne m'aime. C'est vrai, personne ne m'aime? Non, effectivement. Alors dégage. Ok. Eh ben, tout a foiré. Il reste encore ma hache. Et tes explosifs. Ah, on y... Des explosifs. Bah ouais. Mais tu les as mis où? Devinez. Et bah dans les toilettes. Comme ça. Quand il va tirer la chaise. Boum. Mais à tenter, c'est une bonne idée, son papier, mais il n'y a pas Elisabeth qui vient tout juste aller se changer. Attends. Ou... Elisabeth, n'utilise pas les toilettes. Putain, Elisabeth, t'as tout fait foirer, il faut que je recommence tout, mais merde! Attends, t'en fais pas, c'est toi, je vais trouver un remontant. Splash! Bah non, pas celui-là! Ah oui, c'est vrai. Bon bah, tant pis. Bah, qu'est-ce qui se passe? On a entendu une explosion. Rien, chahuté. Qu'est-ce qui t'arrive, Elisabeth? Je crois que ça vient du dehors. Viens, on va aller voir. Bon bah écoutez, tant pis, je dois mettre en place au plan 7. Oui, je sais c'est un peu rude, mais il n'y a pas le choix. Ça aurait été dur quand même. Oh là 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 là. J'ai pas compris. Il a sûrement voulu couper du bois. Mais enfin, quand même, en pleine nuit, t'es pas prudent. Non mais parle, Moïse. On a juste eu le temps de nous... Juste le temps de nous retourner et de voir son pied. Il s'est jeté sur le pied comme... C'est ballot, hein. Je cherchais. Non mais redis à mes dans leur chambre, là. La journée a été longue et rude. Bah, c'est dommage. On s'amusait bien tous ensemble. Ouais, ben, nous, Mandra, je crois qu'on va y aller aussi. Bah mince, alors. La soirée s'annonçait si belle. Ils étaient tous si gentils avec moi. Mais moi, je vais être gentille avec toi, Robert. Viens.
Oh là là, c'est quoi ça? C'est pas possible. Ça vient d'où? La prise d'otage. C'était donc eux. Imagina aussi. Robert, où es-tu, mon cousin? Merde, je suis là, ma chérie. J'arrive. Bonjour, Mandra. Il fait beau, n'est-ce pas? Allô? Allô? Messaline appelle Jeanne d'Arc. Je répète, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Ici Jeanne d'Arc, je vous reçois 5 sur 5. Que se passe-t-il? Du nouveau? Oh oui, vous n'allez pas me croire. J'ai trouvé le magot. Il était bien planqué, vous savez. Dans la momie qu'il était. Entendu. Il faut agir vite maintenant. Je préviens l'équipe d'intervention. Et n'oubliez pas que le danger rôde toujours autour de vous. Je ne pourrai pas toujours être là pour vous sauver. Hein. Oui, merci pour hier au soir. Vous pouvez me remercier si vous aviez vu la tête des champignons. Bonne chance, Robert. Merci. C'était qui? De quoi, ma chérie? Bah, au téléphone. Mon supérieur, tu sais, je travaille, ma chérie. Oui, mais qu'est-ce qu'il voulait? Oh, tu sais, des problèmes de boulot, vraiment pas intéressant. Montrez ça. Oh là là. Tu pourrais dire bonjour, malpoli. Oh, il respire plus. Je crois qu'il est mort. Mais non, je déconne. Putain, qu'elle est mal. Aidez-moi à le relever. Moni. Bon, tu vois, il parle, hein. Moni, les corpions. Bon, il part. Pas très bien, mais il part. Elle voulait dormir avec Corfion, mais pas content. Ni, ni, ni. Alors, Vie, je crois que t'es pas dans ton état normal, hein. Le mieux, c'est que t'arrêtes de parler. Bon, comme on sait jamais, on va rester avec lui, hein. Scorpion. Ouais, faut qu'on lui trouve un antidote. Sauf que pour ça, faut que j'aille à la ville. À la ville? Il le faut. Oh merde. Elle est partie où, Ronny? Ah bah ça a l'air d'aller mieux, vous deux. Une bonne nuit de sommeil et hop, c'est reparti, comme on dit. Et oui, ils sont rapides. Elle est où, Ronny, du coup? Elle est partie. Elle est partie à la ville. Oh la la, Michel, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est les scorpions. Il a voulu dormir avec et ce qui est arrivé est arrivé. Allez, ça, le sommeil léger, le scorpion. Dès qu'il a mis le pied dans le lit... Mais il faut pas jouer avec ces bêtes-là, biche. Tu pourrais te faire mal. Ronny est parti à la ville chercher un antidote. À la ville, c'était le seul moyen.
Oh là là, Viche. Aïe, mal. Je viens de croiser Ronnie. Elle m'a dit pour j'y t'aime. C'est terrible. Il va mourir. Mais non, il va pas mourir. Enfin, pas si Ronnie fait vite. Parce que le venin d'un scorpion, ça agit très vite. Mon ah Robert, n'en rajoute pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il manquait plus qu'elle. Mais j'entends mon train crier depuis chez moi. C'est rien, le chien a juste fait un petit malaise. Faut appeler un médecin. Bah, un médecin? Oui. De quoi je me mêle? On s'en occupe, Anty, ça se voit, alors laisse-nous tranquille un peu. Oh bah ça va, moi je disais ça, c'est pour aider, hein. Bon, tu veux nous gonfler encore longtemps? J'ai compris, je m'en vais. Oh, quel chien! Oh, bibiche! Ah, vous en faites pas, cette paille. On va s'en occuper, hein. Bon, elle, je vais l'emmener se reposer, hein. Elle en a besoin. Bon, on peut vous le laisser, alors? Mais oui, vous inquiétez pas. Oh, on va être sage. Faites attention, il est vraiment pas dans son état normal. Faites attention à vous. Il n'est pas dans son état normal. Il a l'air plutôt inoffensif, le Fishnem, non? Ah, ou je sais pas. Et ou je sais pas. Il a l'air vachement atteint quand même. Ah oui, c'est profond. Hein. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Bonjour, aïe. C'est le palier, voyons. Ah, bonjour, madame. Je me permets, je suis ici pour... Oui. Bonjour, monsieur. Oui, donc je suis ici pour l'urgence médicale. Non? C'est pas ici qu'on a demandé un médecin? Non, non. T'as besoin d'un médecin, toi? Bah non, on n'a pas besoin de médecin, on sait où tromper ta tresse, monsieur. Bon, écoutez, on a reçu un coup de fil d'une certaine Simone Char... La salope. Mais la salope. Elle a dit « Oh, quelle chaloupe !» Bien sûr. Donc, c'est une erreur. C'est ça, c'est une erreur. Allez, au revoir. Ah ! Vous avez fini, monsieur ? Non, hein, bah, c'est... Ah ! C'est moi qui chémis, j'ai trois de chémir aussi. Ah ! Dans un pays libre. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un malade, ça! C'est un malade! J'entends soigner personne, c'est pour ça que c'est mon premier. Oh. Attendez, dormez, monsieur, dormez. Voilà. Ça, c'est pas utile. Non, laissez, madame, c'est dangereux. Alors, venez mettre ça dans votre main. Hop. Allez. Pompez. Oh. Ça va mieux? Ah, il va pas mieux. Alors, vous avez mangé un truc qu'il fallait pas? Il a mangé un truc qu'il fallait pas? Non, enfin, il a mangé tout à fait libre. Oui. Il aurait pas été piqué par quelque chose? Hé, Corfion! Corfion! Il a dit quoi? Il a dû dire morpion, mais je suis pas sûre. Ou carillon, ou camion, on sait pas. Piqué par un carillon, oui, d'accord. Bon, allez, de toute façon, on va lui faire une piqûre. Il y a toujours une piqûre qu'il faut faire. Oh, elle a mis une grosse dose, hein. Allez, il est soigné, je crois. Et ben voilà, il va dormir. Il a peut-être déliré un petit peu, mais ça va aller, hein? Bon. Oui, oui. Bah, ça fera 250 euros. Bah, il faut pas s'en... Moïse, va sur ce chéquier, s'il te plaît. Voyons. Fait beau, hein? Ouais. Fond de l'air est frais, hein? Ouais. On a une belle arrière-saison, hein? Oui, effectivement, oui.
Voilà, voilà, voilà. Ah, très bien. C'est là. Merci. Alors. Mais. Vous avez dit combien ? 250. Sans le déplacement. Ah, vous n'êtes pas là. Tant mieux. À ce prix-là, vous pouvez tout vous payer. Ça va aller, c'est normal. Ben, tenez, hein. Merci, au plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Adieu, j'espère. Bon, ça sera coûté cher, mais maintenant qu'il est guéri, on n'a plus besoin de le surveiller. Ouais. On va dans ma chambre. Vich, Vich, je suis vraiment désolée, j'ai pas trouvé l'antidote, tu vas mourir. Oh, Ronnie! Oui, dis quelque chose, Vich, parle. Oh, Ronnie, il faut que je te dise quelque chose avant de mourir. Vas-y, Vich. Ronnie, je suis ton père. Tu peux répéter ? Oh, tu peux répéter, là, ce que tu viens de dire ? Tu me montres... Oh, silence ! Qu'est-ce que t'as crié comme ça encore ? Non, mais Elisabeth, j'ai pas trouvé l'antidote. Il va mourir, je vais plus pouvoir lui parler. Mais non, il va pas mourir. Il y a un médecin qui est passé tout à l'heure, il lui a fait une injection. Il est sauvé, il faut juste qu'il se repose, parce qu'il est dans un mauvais état. D'accord. Bon. Ben voilà, moi, je vais te laisser parce que j'ai une partie de Scrabble qui m'attend. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, Ronnie, mais t'as pas vu Elisabeth et Mouille ? Je leur avais dit de rester près de Vichnem. On peut vraiment pas leur faire confiance. Ronnie ! Oh, je te parle, Ronnie ! T'aurais pas quelque chose à me dire, toi, par hasard ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, je sais pas. Tu vois, je pensais qu'il allait mourir. Lui aussi, je pense d'ailleurs. Et bizarrement, juste avant de s'endormir, il m'a dit quelque chose concernant ma naissance. Je sais pas si ça te parle. Ah ! Ah, il t'a parlé de ça ? Ouais. Ah ! Comme tu dis. Oui, bah, si je t'ai rien dit jusqu'à maintenant, c'est parce que j'avais fait la promesse à Vichnem de rien dire, justement. Non, mais tu te fous vraiment de moi. Non, mais j'aurais pu comprendre. Je suis plus une enfant. Je suis pas une abrutie non plus. Oh, mais Ronnie, tu sais, c'est compliqué, hein. À l'époque, quand ma sœur Sophia, elle est partie avec Antonio, ton abruti de père, eh ben, moi, j'étais très malheureuse, hein. Et puis, bah, je m'ennuyais un peu. Bon, bah, Vichnem, lui, il était avec Prudence, hein. Et leur couple, il battait de l'aile depuis bien longtemps, là. Alors, bon, bah, c'est vrai que des fois, avec Vichnem, on se retrouvait dans la ménagerie. Dans le foin, avec... Oh, bon, bref. Bah, on s'est aimé, hein. On s'est vraiment aimé. Bon, bah, c'est vrai, je suis vite tombée enceinte. Bon, alors, moi, j'en avais aussitôt parlé à Vichnem. Mais bon, à l'époque, il essayait de redonner une chance à son couple avec Prudence. Donc, bah, on a dit... Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'enfant que je porte, il est officiellement d'Antonio. Voilà, c'est tout. Antonio. Oui. Wow. Il aura fallu juste qu'on attende que Vichnem manque de mourir pour que vous me disiez. Mais vous me dégoûtez. Calme-toi. Antonio. Ça va mieux, mon chéri ? Ah, bah oui. Ok. Repose-toi encore un peu. Ah, oh, moi. Allô ? Mes amis m'appellent Genda. Est-ce que vous me recevez ? Ici Genda, je vous reçois 5 sur 5. Nous sommes prêts à lancer l'opération Montage d'Aide. Je répète, l'opération Montage d'Aide. Vous auriez pu trouver un nom plus, enfin, moins. Bref, vous me confirmez qu'aucune des cibles ne possède pas. C'est plus que probable. Oui, pas d'inquiétude. Très bien, je lance le compte à rebours. 5, 4, 3, 2,
À terre, à terre, à terre, à terre. Vous êtes pas médecin, non, vous pas. Non, sans blague. Mais non, mais on est... Par en bas. Mais vous en avez oublié un. Bah, revenez. C'est pas compliqué, non. Ah ouais, non. Bon, allez. Calme. Calme. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous. On aura eu du mal. Un an que je fais la planque en Simone. Oui, ma pauvre, ça a dû être vraiment dur par moments. Au fait, c'est quoi ton vrai prénom? Parce que Simone, ça fait ridicule. Je me demande où ils vont chercher des prénoms pareils. Alors, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas changé. Il fait beau, n'est-ce pas? Le fond de l'air est frais. Bon, allez, on y va, hein? Non, parce que c'est minable, hein, quand même, cette roulotte. Hein. C'est quand même... Je tape un verre. Eh ben, volontiers. Il y a été minable, tu sais. C'est pas mal non plus.
décidément. Richard Niec. Ah oui, oui, parce qu'il manque de la BAC, mais ils sont là-bas. Manon Niette. Et Pierre-Louis Charbonnel. On aimerait remercier également pour le maquillage et costume Catherine Legout et Emmanuel Roux. Elle s'appelle Jeanne Vontron. Oui.